Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct de la première édition du Salon du Transport et de la Logistique. Ça se passe à Douala, c'est au Cameroun. Et sur ce plateau, nous recevons le président du comité d'organisation du dit événement, un événement qui, bien sûr, a pour but de rassembler et de fédérer les acteurs du secteur du transport et de la logistique. Nous sommes donc accompagnés de M. Bruno Keng Peh, président du comité d'organisation. Bonsoir, Monsieur Keng Peh. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ah, c'est un plaisir partagé, merci. Également, je ne suis pas seul sur ce plateau, il faut le préciser. Je suis accompagné de Rudy Keng Tapon, qui va m'accompagner tout au long de cet entretien. Bonsoir, Rudy. Good day to you, Jean Huc Ambodo. Good day to you, sir. Thank you. Mr. Keng Peh. Yes. Excuse. Alors, tout de suite, Monsieur Keng Peh, pourquoi un salon du transport et de la logistique? Pourquoi un salon du transport et de la logistique? Parce qu'il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Il y a des salons pour dans les autres secteurs d'activité, sauf dans le secteur du transport et de la logistique. Parce que le transport est une exhibition, mais également, je vais dire, le secteur du transport et de la logistique est un secteur clé dans le développement non seulement d'une nation, mais également le développement des peuples. Parce que le transport se retrouve partout, la logistique également. Sauf que jusque-là, le gouvernement du Cameroun avait une vision. Il y a une vision qui malheureusement n'arrive pas encore à s'implémenter sur le terrain. Et donc cette vision qui figure sur son plan stratégique, hein, de l'émergence à l'horizon 2035, n'arrive pas encore à trouver véritablement preneur. Ça veut dire que le gouvernement pense, mais les acteurs ne savent pas très bien, n'ont pas tous les contours de ce que le gouvernement pense. Et donc naturellement, le salon donne ici l'occasion, comme on le dit, le salon, comme nous sommes à un salon, de pouvoir échanger, de pouvoir regarder ensemble dans la même direction, de pouvoir expliquer, et voilà, même de pouvoir intervenir ou alors d'ajuster, de corriger ce qui se fait sur le terrain. Donc le salon ici fédère dans toutes les parties, c'est-à-dire le gouvernement dont le plan est en train d'être implémenté et les opérateurs dans le secteur du transport et de la logistique pour qu'ils s'asseyent, pour qu'ils discutent, mais également pour que le grand public soit informé dans le sens, bien sûr, de renforcement des capacités pour que les uns et les autres comprennent bien ce qu'on entend par transport et logistique, ce qui ne semble pas être une chose gagnée d'avance. Okay, sir, could you tell us more about the Transport and Logistics Trade Fair and its objectives in the transport sector of Cameroon? In the transport sector of Cameroon, when you look at what we call the theme of our salon today, is to boost that sector, to develop it. So our idea by organizing this is to help those working in that sector and of course the government to implement the vision of the government, because the government has a vision, but those who have the duty to execute it is those different operators, let's say those different companies working in that sector. So giving an opportunity to all of them to sit and to meet together, to discuss and to share and to look at together in the same direction, that's actually the purpose behind it. So we want everybody to be able to, let's say, not only sit and see things at the minimal level, but to see it in the great picture of what transport and logistics can give. Alors, Monsieur Keng Peh, pendant les 3 prochains jours, à quoi est-ce que l'on doit s'attendre? Tout à l'heure, pendant la cérémonie d'ouverture officielle, l'on a eu la visite des stands par le représentant du gouverneur et du ministre des Transports. Mm-hmm. Les 3 prochains jours, à quelle autre activité est-ce que les visiteurs et même les participants permanents, c'est-à-dire les exposants, doivent s'attendre pendant cet événement? Il faut dire premièrement que le premier but, c'est de donner aux entreprises de pouvoir exposer leur savoir-faire, de montrer au public en question. Parce que comme le ministre, je veux dire, le représentant du gouverneur l'a fait tout à l'heure, il a parcouru les stands pour voir et pour que les différentes entreprises aient le privilège d'expliquer un peu ce qu'elles font. C'est le même exercice que auquel nous convions les différents Camerounais, afin qu'ils viennent. Vous savez, le salon est une opportunité pour le grand public de venir découvrir un peu ce que les entreprises qui sont très souvent fermées, et si vous n'avez pas l'autorisation d'y entrer, vous ne pouvez pas entrer. Alors qu'ici, par le salon, pendant les 3 prochains jours, il sera question que les participants ou davantage les visiteurs puissent parcourir les stands et comprendre avec pertinence ce que les entreprises font réellement. Qu'est-ce qu'on entend par exemple, vous avez Tractafric qui est installé, mais les gens ne savent pas parce qu'ils voient peut-être un véhicule Tractafric dehors, mais ils ne savent pas plus ce que Tractafric fait. Donc il est question que les entreprises expliquent un peu mieux ce qu'elles font en termes de produits. Mais également, il n'y a pas que les stands, il y a également des ateliers qui sont pour nous des ateliers thématiques très importants, très pertinents, parce que nous avons convié à ce salon des instituts de formations qui sont nombreuses dehors, qui forment dans le transport et la logistique. Je pense que c'est l'un des modules dans ces instituts. Et donc, on forme, sauf que ces gens ne trouvent pas toujours des emplois, parce que ça semble être un secteur fermé. Donc, par le salon, nous ouvrons l'occasion d'avoir en face des directeurs généraux de différentes entreprises qui vont expliquer un peu ce qu'elles font. Parce qu'à un moment donné, on a comme l'impression que c'est un domaine, c'est une filière qui n'a pas de débouchés. Exactement. Il y a beaucoup de chômeurs. C'est juste parce qu'effectivement, non seulement les entreprises d'un côté, mais également les demandeurs d'emploi de l'autre ne savent pas comment s'y prendre. Vous avez donc l'occasion, et c'est ce qui sera le cas pendant ces 3 jours, de rencontrer les directeurs généraux. Alors quand nous parlons des rencontres, des rendez-vous, d'affaires, parce que nous privilégions le business to business entre autres. Parce que derrière tout cela, il y a des échanges, il y a des rencontres, mais au-delà du grand public, il n'y a que les entreprises elles-mêmes ne savent pas toujours ce que les autres font. Et donc ça permet des rencontres, des échanges qui font que parmi les entreprises, on peut trouver en même temps des vendeurs et des acheteurs. Donc ça leur donne l'occasion de se connaître mieux et de pouvoir, comme on le dit vulgairement, l'union fait la force. Lorsqu'elles se rassemblent, elles viennent ensemble, elles deviennent plus fortes parce qu'elles vont parler le même langage et elles vont pouvoir mettre ensemble leurs besoins et les adresser à qui de droit. Et donc pendant ces 3 jours, nous avons donc le privilège d'avoir des rencontres, d'avoir aussi ces ateliers où vous serez édifiés, où les étudiants sont conviés, les instituts sont édifiés, sont invités, les chercheurs d'emploi sont invités, les différentes entreprises également sont invitées parce que dans l'écosystème du transport et de la logistique, il n'y a pas que le transport et la logistique, il y a d'autres choses, il y a des banques, il y a des cabinets d'avocats, il y a des assurances, il y a un ensemble d'entreprises qui opèrent là-dedans sans trop bien savoir comment. Vous savez, je parlais avec un avocat hier, il me demandait, mais qu'est-ce que... J'ai dit, mais attendez un peu, vous pouvez défendre. Il y a très souvent un ensemble de problèmes qu'on rencontre dedans. Et donc, où les avocats n'ont pas le sentiment que ça les concerne. Donc là, évidemment, vont trouver des cas qui sont compliqués et qu'il faudrait défendre. Et donc, il y a dans cet écosystème beaucoup de choses que les Camerounais ignorent. Et voilà pourquoi nous lançons l'appel, pour convier tout le monde à cette première édition. Voilà pourquoi ça a été aussi difficile au niveau des entreprises, parce que beaucoup ne savent pas trop ce qu'elles viennent faire ici. Mais nous leur disons, vous venez, vous allez vous rendre compte. Voilà pourquoi nous pensons que la deuxième édition sera très courue, parce que jusqu'ici, c'était un essai, et les entreprises qui sont là commencent à comprendre de mieux en mieux pourquoi elles sont là. Et donc, conséquence, pendant ces 3 jours, vous aurez l'occasion de rencontrer des directeurs généraux, j'allais dire. Vous aurez l'occasion de participer à ces ateliers-là et de leur poser des questions. Il y a des experts dans le domaine qui vont venir et qui vont animer les 10 ateliers. Et donc, c'est toujours très important de venir avoir une connaissance supplémentaire et de pouvoir, je dirais, se faire une place au soleil. C'est une niche d'opportunités aussi. Et donc, nous pensons que ceux qui viennent pourront aussi trouver là les opportunités pour leurs petites entreprises, pour offrir et rendre des services à ces entreprises qui, quelquefois, ne s'intéressent pas toujours à, je dirais, des petits marchés qui pourraient intéresser des entreprises, des PME ou des PMI qui pourraient s'intéresser à ces marchés-là et leur livrer là. C'est-à-dire, j'entends par là, et c'est ça que j'appelle le business to business, c'est-à-dire donc la sous-traitance. Et donc, au lieu d'aller, une grosse entreprise qui n'a pas besoin de descendre, elle peut donc trouver une PME camerounaise qui est compétente et qui peut donc livrer ces services-là. Voilà tout cela que nous allons offrir ici pendant ces 3 jours et je pense qu'il y a de la matière, il y a, je dirais, il y a beaucoup à offrir. Il est donc bon que les Camerounais viennent nombreux participer à ce salon. Il est toujours question de se rapprocher de plus en plus du consommateur. Exactement. Okay, sir. As the president of the organizing committee of this trade fair, yes, can you tell us the long-term vision of this project? The long-term vision of this is already expressed in our team. We are talking about international, opening our doors and boosting our economy. So actually, our target is our nation, but we cannot develop our country without opening our boundaries. And being that, you know, we are in that logic, and Cameroon is already involved into that. So today we are eating things which are coming from China, from America, from Gabon, from South Africa, from everywhere. So are we ready? Our economy is, according to my observation, is not ready yet. You know, so now through this salon, we are targeting, you know, the economy of our nation, to boost it and to give to those who are owners of those companies to see things not at the level of a local level but at international level. You know, because you cannot hope or you cannot expect to go far without seeing far. So the vision is to see far and to take, you know, to take action, do what you have to do so that you can challenge those who are abroad and to be able to offer the goods as they are offering their goods to be competitive on the market. So that is our standard, that's our vision. So that's why you see all these companies coming, because our vision is not just local. Normally, as from next edition, we'll open up for other nations to participate so that, you know, they will showcase what they are doing. They will showcase and they will come and see. Somebody asked me a question, why is it that it's only Cameroon, you know, we focus only, you know, the Cameroon, and say yes, that's for the first edition. Okay. The first edition, you know, we have to, first of all, gather ourselves, okay, to be strong enough to do what, you know, what we have to do, you know, and to challenge ourselves. Then, as from next year, then we can open up for more companies coming from all over the world, you know, especially in, you know, the Africa first, and then we'll see about the world. So it's to boost that sector, because understand that in that sector we have a problem, because to travel from Cameroon to go to Chad, the road is amazing. So you can't move anyhow. You cannot expect, you know, even to move from Cameroon, you know, to air, to go to, let's say, to Gabon is so expensive. So it's all of this is to pull ourselves together as Africans, but first of all as Cameroonians, to sit together and to perceive something, to put together something which will boost our economy as a nation, but also our economy as Africa. Monsieur Keng Peh, tout à l'heure, vous avez parlé justement du fait que tout le monde était invité justement à prendre part aux activités de ce premier salon du transport et de la logistique, ce qui me pousse à vous demander quelle est la cible. On a compris que l'objectif, le but, c'est de s'élargir, de s'internationaliser, mais alors quelle est la cible de ce salon? Je dirais que la cible concerne tout le monde. La cible, c'est tout le monde. Mais il y a un corps de cible, c'est les entreprises qui font dans ce secteur. Vous avez les entreprises qui sont notamment dans cet écosystème-là, qui fonctionnent dedans, qui font dans le transit, qui font dans le transport tout simplement des biens et des hommes, qui font dans le matériel comme des tracteurs et autres, le matériel lourd, le matériel léger. Voilà notre cœur de cible. Nous voulons que ces entreprises puissent être compétitives. Et donc pour qu'elles soient compétitives, il faut qu'elles se frottent. Il faut qu'elles se frottent à d'autres entreprises pour pouvoir sortir un peu de leur satisfaction, de leur reclusion et aller voir ailleurs. Parce que c'est seulement lorsque vous savez ce que l'autre fait que vous commencez alors à vous booster vous-même pour sortir de ce que j'appellerais une autosatisfaction. Donc ça donne aux entreprises de pouvoir travailler dur, en sachant qu'effectivement en face, il y a du répondant. Elles vont donc évidemment se déployer un peu plus, travailler d'arrache-pied pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc c'est ça la cible. La cible, c'est de booster l'économie, c'est-à-dire le but, l'économie nationale et l'économie africaine. Parce qu'on parle de CAF qui est déjà, le Cameroun est signataire. Comment allons-nous faire pour pouvoir résister à l'afflux des produits qui viennent des autres pays si nous ne sommes pas préparés? Donc l'objectif c'est celui-là, la cible donc, c'est de donner aux entreprises camerounaises premièrement, et les entreprises africaines en général, notamment de la sous-région, de pouvoir se donner les outils et les moyens pour atteindre, pour être compétitives. Et la compétitivité intègre donc tout cela. Il faut des bonnes routes. Il faut donc naturellement revoir le système routier, notamment dans nos villes comment on appelle ça, intervilles, interrégions, internations et tout cela. C'est compliqué de pouvoir faire ce transport et de pouvoir aussi revoir les coûts, parce que qui dit transport dit coût. Donc, qu'est-ce qu'on les éléments qui entrent dans la constitution d'un prix et autres? Vous savez bien qu'en Afrique, les choses coûtent beaucoup plus cher que l'autre côté. Donc. Et la question, effectivement, par ces objectifs, en atteignant donc la cible, de donner à cette cible d'être compétitive. Et à partir du moment où elle est compétitive, elle peut donc également revoir un certain nombre de choses. Parce que lorsqu'il y a la compétition, les personnes qui en bénéficient, ce sont les consommateurs. Vous voyez? Et donc, finalement, on parlera d'un développement de l'économie nationale, parce que les acheteurs sont libres de venir acheter et ils achètent sérieusement parce que les coûts sont favorables, ils peuvent donc débourser un peu plus. Mais quand les coûts sont très élevés, alors vous avez aussi une baisse de la consommation qui affecte naturellement l'économie dans son sens réel. Donc, il est question de fédérer tout le monde et c'est cela le but. Quand on parle du cœur de cible, ce sont ces entreprises qui font dans le transport et la logistique premièrement. Elles sont nombreuses. D'ailleurs, il y a ici, par exemple, Camrail. Nous avons les entreprises un peu comme, comment on l'appelle, Tractafric et bien d'autres qui sont concernées par tout cela. Donc, en venant ensemble, elles vont naturellement pouvoir se concerter et pouvoir travailler d'arrache-pied ou davantage dans une synergie qui permet à l'économie nationale de se développer, mais également à l'État du Cameroun qui manifestement a un plan, a une vision de pouvoir donc implémenter la dite vision en fédérant tous les acteurs, non seulement du secteur, mais également de ceux qui travaillent dans l'écosystème de ce secteur-là, notamment les banques qui vont se développer un peu plus, les assurances qui vont se développer un peu plus, les banques vont mieux accompagner, voilà à peu près tout. Donc nous voulons, en boutant ce cœur de cible, et évidemment ça ouvre les portes, ça va faire plus d'emplois, donc ça veut dire que ceux qui sont formés vont être absorbés par ce secteur qui semble être fermé pour le moment. Et donc, parce qu'ils comprendront mieux, les entreprises vont également comprendre qu'il y a dehors de la matière. Et donc, chacun va pouvoir trouver son compte dans la chose. Donc, finalement, comme je l'ai dit, tout le monde parle de transport. Parce que pour partir de chez vous et aller à votre bureau le matin, c'est également le transport. Vous prenez un taxi et il faut que vous arriviez à destination correctement. Si la route n'est pas bonne, si la route n'est pas assez grande pour pouvoir contenir tous les véhicules, il y aura des embouteillages, on perd du temps, on perd de l'argent. Et donc, finalement, l'économie en pâtit. Donc, voilà à peu près ce que nous pensons. Voilà pourquoi nous disons que tout le monde, finalement, est une cible. Parce que si vous comprenez ce qu'on appelle transport, ce qu'on appelle logistique, alors très rapidement, les choses vont être perçues différemment et abordées différemment. À vous entendre parler, M. Keng, on se rend compte quand même que s'il faut que le secteur du transport et de la logistique se porte bien, cela passe aussi par des infrastructures routières en bon état. Absolument. Ça, c'est parce que le transport se fait où? Que ce soit quand c'est le ferroviaire, c'est le rail. Il faut donc que le rail soit en bon état parce que lorsqu'il y a des catastrophes, évidemment, tout le monde perd. Oui. Ceux qui sont transportés, les marchandises qui sont transportées et même l'équipement qui fait le transport, la logistique. Donc tout cela affecté. Lorsque la route n'est pas bonne, évidemment, il y a des accidents, il y a des retards. Donc, et il y a plusieurs procès parce que, évidemment, les biens qui sont censés partir d'un lieu à un autre sont avaries et connaissent des avaries et des choses comme ça. Il y a donc des catastrophes ou alors des accidents parce que l'état de la route ne le permet pas, entre autres, ou alors, les airs parce qu'au besoin, les aéroports ne sont pas toujours adaptés ou alors tout simplement les coûts sont trop élevés, le cargo va coûter cher et donc à l'arrivée, évidemment, c'est le consommateur qui va payer la note. Donc finalement, c'est exactement cela, le transport est indispensable et si la route ou alors le moyen qui permet au transport de mieux se développer n'est pas développé lui-même, alors effectivement, il y a ce que j'appellerais un frein au développement que nous recherchons. Tout à fait. Okay, sir. Today marks the opening date of this salon. Yes. I would like you to share more insight on the sub-theme, which is collaboration and integration. So what does that really mean in detail? I will not give it into details because I want people to come. Because if I give all here, everybody, people will not come. We want participants to come. To come and listen, that's why we prepare a hall, you know, for everybody to come and participate and ask questions. But I will share a bit of light on it, just to say that when we are talking about, please come back on the theme again. Collaboration and integration. Collaboration and integration. Collaboration is the, I would call it the first step to integration. So we need to collaborate first, and then we can, because when we are collaborating, we know ourselves, we expose ourselves, and then of course we can integrate, because integrating you, it means I should know you first. Sure. You know, if I don't know you, I cannot integrate. So now we see, we have to sit and putting everybody together, the government, first, and of course the participants, and mostly the companies, those who are dealing in that sectors, is to bring them to sit together, and that's why I'm calling it a salon, and to discuss, because they will know what the government is thinking, what are they calling vision, how to express that vision. So they should go into details, and then the operator will ask questions. They will better understand how and what the government is looking at, because if the government doesn't give you permit, you cannot function in that sector. They give permit to companies to operate there. So it's actually the plan, or this, I will call it the vision of our government. That's a strategy. So now the companies which are operating in that sector are supposed to understand the mindset of the government and now see what they are doing, if it's it can tie with what the plans that they have. So it's all about putting it together. The government will know better those who are operating in the sector. Exactly. And the sector will better understand the mindset of the government. Of course, they can now integrate each other and work together to achieve one purpose, the development of the country. Because that's the purpose. It's not competition. The government is not competing with customers, with the different companies. And the companies cannot compete with government. That's why the government will prepare and think about the rules and how to function. So it's all about that. So because the companies are dealing on the, let's say, on the ground, they are operating. Though they should understand they have difficulties, they are facing difficulties, challenges. So if the government cannot understand, because it's not them who have to fix the roads. So if there are difficulties, one of them is that the roads are bad. They should be able to express those that need to the government, for the government to take action and fix the roads. So that's the collaboration. That is also the integration. At the end of the day, they are, you know, the government have integrated those companies, and the companies have also integrated the vision of the government. And at the end of the day, is the nation that is the I will call it the beneficiaries of what is happening. At the end, the development of the country will be evident. Everybody will see that Cameroon is being, you know, when you go to the port, it's well managed. When you see our roads are taken care of, and at the end of the day, is the development of the country, which is ahead of it. So what message do you have for those watching us back then at home about this salon? I would say to the public, first of all, come and see. You know, I'm inviting all of them, because when I'm talking about transit, they don't know. Transport, people doesn't actually understand what it's all about. Talking about now logistics, they don't even understand the logistics. No, they don't understand it. So I say, come and see, because if we just say this is logistics, give the definition of logistics and all, that's theory. We have the reality here. Yeah. So we'll tell you this is what we are calling logistics. We'll show you those things, those equipment on the ground. And then, you know, that is the best way. You can ask questions to those who are showcasing their know-how and their equipment. They will explain to you. Also, I'm addressing to those companies which, you know, they were reluctant to come because this is the first edition. So they don't understand, they don't know us, and they believe that maybe it's just just fake people, or maybe they're not serious. But we are serious. We are serious, and this is just the first edition. It will not be the last. You know, it's the first edition, and this is an opportunity for them to come and see, so that next year they will be part of this great celebration and will enlarge our circle. So I'm also inviting the students. The students, because those who are, maybe they are graduates, maybe they are thinking, you know, how to let's say, to find a job in such a sector. Maybe they have heard about it. They went to school and they have a certificate, but they don't have a job. This is an opportunity to meet with general managers of those companies and to apply. You can, you know, upfront ask questions and, of course, have a maybe a rendezvous. You know, and then who knows? You can have a job through this. So it's for everyone at the end of the day. You know, you want to understand, you want to be curious about it, you want to know more. Come and see, because if you sit at home, you will not, you may not know and you may not see. So it is an opportunity to say it is open. You don't pay a franc. It is open. It's free. So come, ask questions, and it will be, I think, a good experience. Okay, sir. Thank you very much. That's it for our interview with Mr. Bruno Keng Peh on stage for IBA Channel. Thank you so much, sir, for sharing more insight on this program. Thank you so much. Thank you too, ladies and gentlemen, for watching us back then. Meanwhile, stay tuned to IBA Channel, for it is your gateway to African market.